Geekette est debout en premier. Allez, on va faire à manger pour toute la famille. Ouah! Servir le petit-déj, on va faire des pancakes pour le matin. Dans la joie et la bonne humeur et la tranquillité d'une musique douce et classique. Ouais, nausée matinale, tu m'étonnes. Quel boulot. J'espère que la gamine va bien se... va bien s'adapter à l'environnement parce qu'avec deux parents fous, un sportif, l'autre complètement accro au jeu, c'est diversifié. Enfin, accro au jeu. Non, passionné par les jeux. Et fou dans le même temps, c'est pas forcément facile. Yeah! Bon, on avance progressivement malgré tout, hein. Oh, Véronique! Faut que t'ailles aux toilettes, ma chérie! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, en dormant? Il est trop bizarre! On dirait un âne, quoi. Et encore un âne est plus intelligent. Allez, Véronique, debout! Aha! Bon. Il y a des pancakes à manger ce matin! Oh non, 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 non! J'avais complètement zappé. Mais elle peut pas prendre une journée de congé. Prends une journée de congé. Boulot. Non. Non. Prends un jour de congé. Guiguette, dépêche-toi de finir tes crêpes et prends ta journée. Prends ta journée. Parce que là, tu vas mourir. Et le bébé avec. Alors, il vaut mieux pas. Non. Stop. Arrête. Pose ces pancakes. Pose ces pan... Zut. Pose ces pancakes. Non, ne les mange surtout pas. Appelle ton patron et prends ta journée. Dépêche-toi. Cheshire, Binkapa Pancho! Belka. Oh, pardon. Bon, tu ne travailles pas. Et du coup, la gamine t'a piqué ton assiette. C'est-à-dire à pêcher ton assiette. Allez, Vincent, tu as besoin de manger aussi. Prends une portion au lieu de regarder la télé. L'enchaînement était ignoble. Non, Véro, où est-ce que tu vas? Où vas-tu? Non! Tu restes à table. Va t'asseoir. Et voilà, je m'en doutais. Assieds-toi. Tout de suite. Non! Prends... Non! Prends tes pancakes. Allez, on déjeune en famille. Où est-ce que tu vas? Ah d'accord. Tu vas en ligne, d'accord. Ah, on pouvait faire les devoirs avant, c'est vrai. Qu'est-ce qui... C'est vrai que j'ai pas pensé, quand on a un enfant, il peut déjà faire ses devoirs sans être allé à l'école. J'avais complètement oublié ça. Alors là, nous avons notre belle petite famille. Pensez à manger, les amis. Elle mange plus ses pancakes, là. Allez, discute un peu. T'as pas fini ton assiette, Véronique. Dépêche-toi. Oh, comment ça, rencontre un commandant? Allez, discutez un peu. Oh, mon Dieu. Allez à l'école. Ah, va à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, va à l'école, va bosser. Oh, ma pauvre Geekette. Allez, toi, sois un homme sympathique. Fais la vaisselle. Est-ce
que la guiquette n'a pas l'air d'être bien. Bah, va aux toilettes, qu'est-ce que tu me fais là? Oui, Véronique va à l'école, toi tu vas aux toilettes, et lui... Bah nettoie... Ah! Pose pas l'assiette là! Nettoie-la! Moi je vais mettre les pancakes au frigo. Non, surtout pas dans l'évier. Voilà. Et alors... Entraînement. Ah tiens, faut... Non, je vais pas t'acheter un truc. Tu vas faire des pompes. Voilà. Geekette pour ton boulot. Parcourir les informations. Ouais, ça, tu l'as déjà fait. Non, mais c'est chaud quand même parce que elle est enceinte. Mais contrairement aux autres Sims, il n'y a pas de journée de congé de prévu. Enfin, je sais pas, c'est... C'est bizarre. Non, ta 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 ta. Tes abdos maintenant. Ton bar, tu me le laisses tomber là. Oh merde. Ah, blablabla. Allez hop. Tu vas aller courir un peu, tiens, faire de l'exercice. Non. Non. Il faudrait un vélo d'appartement, limite, c'est... Allez, va au bon air, va au grand air, j'ai... Qu'est-ce que tu fais, Guiguette? Tu vas où, là, comme ça? Tu sors les poubelles. Très bon choix. Lui, il va aller aux toilettes parce qu'il en a envie. C'est quand tes jours de congé à toi? Bah aujourd'hui. Donc effectivement, bon, on va te laisser faire ta petite commission. L'anniversaire d'un ami. Tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Véronique n'a pas été invitée. Elle croyait pourtant que l'autre était son ami et a du mal à comprendre. Doit-elle en parler à son ami ou laisser tomber? Bah demande-lui quand même. Ah, zut! Ah, quiproquo, là. À mon avis, elle va pas se sentir super bien. Se faire des amis. Ce qui est important. Et pas forcément évident, surtout à l'époque du collège. Et encore, là, elle a de la chance, elle est à l'école primaire. Bah, va sur les toilettes! Qu'est-ce que tu fais, toi? Tiens, entraîne-toi au violon. Allez, améliore tes compétences, là. Profites-en. On peut bien regarder à la télé ou apprendre dans les jeux vidéo. Mais il faudrait aussi... Aïe, aïe, aïe. Faut aussi pratiquer. Si tu pratiques pas dans le réel, tu vas avoir du mal. Alors, Geekette doit avoir les oreilles qui sifflent, hein, parce que... Ouais, effectivement. Alors, on est où dans sa grossesse, là? Deuxième trimestre dans 2 heures. Ok. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'en fait, je devrais les faire jouer dehors. Au niveau du violon, je devrais les faire jouer dehors. Oh, misère. Ah tiens, Guiquette. Moi qui voulais lui faire faire des sushis. Est-ce que tu peux du coup lire... Le volume 2. La cuisine gastronomique. Oh mon Dieu, c'est que c'est pas épongé ça? Vincent, arrête le massacre. Hop. Mais pourquoi je l'appelle toujours Vincent? C'est plus Vincent, c'est Jules. Ah. C'est dingue. Oh. Lire un bon bouquin à côté de la musique classique m'en plus que la cheminée. Quoi,
Jessica, pardieu. Oh. Je pense que tu vas te prendre une douche tonifiante. Geekette, tu fais quoi? Mais n'arrête pas de lire, t'as même pas fini le bouquin. Tu n'as pas fini le bouquin. Tu l'as à peine commencé. Normal. Elle va avoir besoin de se divertir, la gamine, après. Hein. Il est fini, le bouquin. Il y a des amis à se faire, là, je crois, dans le lot. Haha! Des amis à se faire. J'adore ta couleur de cheveux, je veux la même. D'accord, fais oui, oui, si tu veux. Geekette, tu me ranges ça tout de suite. Alors, flirter avec Jules, et bah flirte avec Jules. Je prendrai les paris. Je vais faire un pari. Se marier immédiatement ou faire une cérémonie avec Geekette qui risque d'accoucher pendant la cérémonie. Avons-nous de la place sur le terrain? Oui, largement. Largement. Oh, qui c'est? Ah bah oui, répondre, répondre. Ouais, ouais, c'est Elisa, quand même. Alors là... Regardez une série télé romantique. Bah vas-y. Regardez la chaîne... Regardez romance. Wow, 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 wow. Hey, t'enflamme pas, mec. T'enflamme pas comme ça. Geekette, t'as pas répondu au téléphone. Wow, wow, wow. Geekette, tiens, pense à discuter avec tes amis pour pas les perdre. Oh là, c'est pas de la romance, ça. C'est de la... Ah bah, qu'est-ce que... Oh là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh Ah si, c'est une romance, si, si. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Effectivement là, alors que les deux sont enjôleurs, dont un est très enjôleur, l'ami qui vient sans prévenir, ça tombe mal. Ouais. Quimble Reginu. Segedna. Winubu. Zagoo. Allez, vas-y. Flareeb. Bwis Brainum. Wogrichog. Narble. Warba. Nibahana. Polkamp. Pampini. Voilà. C'est bête que la gamine soit pas là. Ah, j'arrive pas. C'est enthousiasmé pour les solos de guitare. Je sais même pas ce qu'elle fait comme métier en fait, elle. Faire connaissance. C'est le meilleur moyen de le faire. Matérialiste. Faire des pompes, mais dehors.